Salut. Étant étudiante cette année, mon emploi du temps universitaire est assez léger. Donc pour financer mes études, être plus indépendante vis-à-vis de mes parents et pour économiser, j'aimerais trouver du taf. Donc là, je vais m'inscrire sur le McDo. J'étais censée faire ça depuis tard époque, depuis tellement longtemps. Vous n'avez pas idée à quel point j'étais censée faire ça depuis longtemps. Voilà, j'ai déjà travaillé au McDo une fois. Ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, les managers sont là, ils te foutent vraiment la pression. Parce que, enfin, j'étais formée en cuisine, plus le... Et je faisais beaucoup, beaucoup de friture parce que j'étais là que pendant un mois. Et donc du coup, ils voulaient pas me former à tous les postes. Ils préféraient laisser les autres, ceux qui restaient plus longtemps à l'année, etc. sur les autres postes. Moi, j'étais genre vraiment tout le temps friture. Et à la fin, j'en avais marre. Au début, j'étais en mode, bah vas-y, je fais mon taf, c'est normal. Ils ont besoin de moi là, bah j'y vais. Sauf qu'à la fin, j'en ai marre, je me faisais trop mal au poignet. Mais bon, c'était quand même sympathique parce qu'il y avait une bonne ambiance entre tous les étudiants, etc. Parce que c'était pendant les vacances d'été. C'était il y a assez longtemps. Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Oui, c'est pas un job très chill, mais j'en cherche pas un non plus hyper chill. Ce qui est bien, c'est que en fait, ils recherchent vraiment presque tout le temps. Et oui, je sais que le McDo, c'est pas non plus hyper bien écologiquement, etc. C'est vraiment une chaîne de fast-food pas ouf niveau écologie, environnement. Allez, on va postuler, on fait ça vite fait, bien fait. Là, il est 10h, waouh, le temps passe vite. 10h05, pour moi il était 9h. Je sais pas ce que j'ai fait entre 8 et 10h. From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body back. J'ai hâte d'être prise à un emploi. Il y en a qui m'intéressent moins. Mais bon, je pense que je prendrai le premier qui m'appelle. Pas incroyable en fait. Il y a les Paralympiques et les Jeux Olympiques. Vous savez ce que c'est? Je vais vous apprendre un truc. En fait, c'est du coup la flamme olympique avec la Marianne. Voilà, c'est pour ça qu'elle a une petite bouche. Et c'est un rond parce que c'est une médaille. From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body. Vraiment, t'as des trucs, ça en moi. C'est quoi? Un t-shirt service civique. Ah oui, moi je te le repasse. Tu t'es pas racheté un nouveau sac? Si t'as 250 euros à me passer, je te passe le mien sans problème. Amour Ralis, j'ai plus d'argent là. Amour Ralis, tout. Un truc que j'adore chez elle, c'est ce pull. Je pourrais tuer pour lui. Il a pas genre énormément de charisme. J'ai parfois des regrets comme tout. Je pense que je vais m'acheter le même. En fait, j'ai attendu toute ma vie pour qu'elle l'abandonne. Je pense qu'elle l'abandonnera pas. Donc, je vais devoir m'en acheter un moi-même. Il est trop beau. Petit thé à la camomille. Un ordi. Une douche. Happiness can be found in the smallest things. Dans cette boîte, je vais trouver le bonheur et la mousse de douche. Incroyable. Vraiment, c'est génial. Et là, c'est de l'huile. Huile de douche. Bah, je pense que je vais utiliser ça, comme ça je vais le tester. Et j'ai testé aussi la crème. Ah, mais ça c'est bien aussi, ça hydrate. Je pense que je mets... Ah ouais, mais l'huile aussi, je pense. Je vais tester ça pour un moment détente en fin de journée. Nous sommes samedi. Pour le contexte, j'ai redoublé mon année en droit. Et sur Instagram, je suis tombée sur le reel de Yael.pg qui s'est inspirée de Maddy et qui, elle aussi, redouble. Et je trouve que ce qu'elle dit, ça représente bien ce que je ressens. Donc, je vous laisse écouter et regarder sa vidéo.
tu vois. Et c'est dur à l'assumer, mais en vrai, cette année, j'ai pas su gérer. Parce que je redouble. Je dois dire qu'avant la fac, bah, j'étais une super bonne élève, j'étais hyper sérieuse, j'avais vraiment besoin de validation académique et j'étais hyper pointilleuse là-dessus. Et depuis mon entrée en fac de droit, les difficultés, les hauts, les bas, je dois dire que je me suis vachement relâchée là-dessus. En vérité, un 10 me convenait, il me suffisait juste d'avoir la moyenne pour être contente parce que j'estimais ne pas pouvoir faire mieux. Les études de droit, c'est dur à ce niveau-là parce que ça vous démoralise complètement et vous pensez au final que vous méritez plus qu'un 10. Je le qualifie pas en tant que tel comme un échec, mon redoublement, mais c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Donc en soi, c'était mon premier échec académique et le fait de pas avoir passé mon premier semestre, c'était vraiment le premier coup de massue. De pas valider quand on a fourni une telle charge de travail et qu'on y a parfois laissé sa santé mentale, bah c'est pas facile. Et clairement, j'étais pas à mon prime cette année, je dois dire que c'était vraiment la plus dure de toutes mes années. Mais je dois dire que mine de rien, ce redoublement, bah ça me permet de relativiser et au contraire, je le vois plus du tout comme un échec. Pour le moment, j'aime la tournure que prend mon redoublement. Donc tout ça pour vous dire que tout ne s'arrête pas à la validation académique et tout ne s'arrête pas à un échec. C'est, en fait, c'est une réorientation et j'ai redoublé. Du coup, je me pose pas mal de questions sur l'avenir parce que le droit, c'est une réorientation. En fait, genre, je suis un peu con parce que j'ai fait un truc dur. Donc, je suis partie d'un truc dur. Pour refaire un truc dur, et je me prends une claque dans la gueule parce que c'est trop dur. Du coup, je me dis, est-ce que je devrais pas faire un truc plus facile, un truc plus créatif? Sauf qu'au final, je me dis que j'ai de la chance de faire ces études et que je suis contente de ce que je fais. Et j'ai peur, par contre, pour la L2, parce que j'ai vu le programme. Mais le programme, mais il est dur. Vraiment, je suis pas prête. Hein. J'ai vu des trucs... J'ai vu des trucs que je préfère même pas y penser tellement. Ça m'effraie. Il m'encourage plus à faire autre chose. Et ma sœur, elle m'encourage plus à continuer la fac de droit et après aller en master com. Et mes parents plus en mode mais arrête, genre fais autre chose et tout. Quand j'ai su que je redoublais, là ça m'a vraiment genre foutu un couteau dans le cœur. Et là ça m'a fait mal quoi. Ça m'a fait mal. Vraiment je trouve que les études c'est infini pour moi. Moi je me sens loin quoi. Je me sens loin, très loin. Qu'est-ce que tu fais un soir quand il pleut ? Genre le flash il m'éclaire tellement que je vois flou après sur le côté. Du coup je suis allée voir Emilia Perez qui est l'histoire d'une avocate qui se fait enlever par un trafiquant de drogue qui est très riche et donc qui peut la payer pour que l'avocate puisse lui trouver un moyen de changer radicalement de vie. Donc depuis petit le narcotrafiquant se considère comme femme. Donc du coup il va faire une opération chirurgicale et s'éloigner de sa famille. Sauf que sa famille lui manque et donc il va quand même s'en rapprocher sans pouvoir dévoiler son ancienne identité. Et ce que je trouve vraiment beau dans ce film, c'est que en fait il y a beaucoup de chant. C'est hyper touchant. Je trouve que rajouter du chant dans des scènes touchantes, c'est incroyable. Il est si bien fait. Je kiffe ce film. Meilleur film de l'année. Incroyable, trop touchant. Il n'y avait personne en plus dans le cinéma. Vous avez vu les petites vidéos que j'ai filmées avant. Il est assez long. Je l'ai trouvé assez long. Alors que j'ai vraiment aimé et j'aurais vraiment voulu que ça dure encore plus longtemps. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, il faut que je rentre dormir.